Je vais me fâcher. Tu as gâté mon direct tout à l'heure. Ne commence pas. C'est toi qui as fait, je sais couper. Oui. Tu as fait mon direct, c'est coupé tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui. Est-ce que je la gêne même? Elle parle de moi, vraiment la fille là. La... Si on ne vient même pas me dire, on ne saurait même pas qu'elle existe. C'est parce qu'on vient me dire que telle personne parle de moi. Je ne gêne même pas l'idiote là. Hein. Idiote qui parle de moi là. Vraiment, excusez-moi. Hein. Mes comptes sont signalés. Et ma fille est encore catastrophée ici. Attends le direct, s'il vous plaît, on parle des trucs importants. Elle m'appelle, elle me dit qu'elle me clash. Je ne la gère pas. Si on ne me dit même pas qu'elle existe, je ne vais même pas la gérer, dis donc. Vraiment, je ne sais même pas qu'elle existe. Je ne la calcule plus. Je ne la calcule pas. Moi, elle parle des choses importantes. Laissez-moi mettre. Je mets le collier de ma mère là-bas au cou. Je mets le collier de ma mère. Laissez-moi porter le collier de ma mère. Moi, elles sont, je dis qu'elles n'aiment pas le faux, jamais elles sont derrière nous, mais fichez-nous le camp. Mais je ne sais même pas qu'elles existent, vous me dites, c'est vous qui faites à ce que je parle même d'eux. Moi, je ne gère pas. Moi, il y a des gens que je ne suis pas quelqu'un qui m'attache aux gens. Il y a des gens dans le blog là que je ne gère pas. Ce n'est pas le nombre de followers qui m'impressionne. Quand je t'écoute, je dis, mais est-ce que tu dis quelque chose qui m'intéresse? Est-ce que ça me captive? Je ne gère pas. Je vous jure, tout ce qui me sert, je ne regarde pas vos directs. Je ne savais pas qu'elle existe. Tous les jours, ma femme me dit que tu parles de moi. Je te jette pour ma mort. Je n'ai jamais pris ma mort. J'aime bien la bouche. Quand tes gants me regardent, c'est le jour et la nuit. Je suis la personne de l'Ofodia. Sautez-vous, calmez-vous, mourrez. Suicidez-vous. C'est aller mes comptes. Je suis la petite soeur de l'Ofodia. C'est ça qui vous dérange. Ça vous dérange. Oh, vous venez, je suis dans un thème. Moi, je faisais autre chose, hein. Moi, je parle d'autre chose. Les filles qui n'arrivent même pas à tenir un dialogue, un discours. Elles n'ont même pas le BPC. On vient, on fait le blog avec elles. Oh, mon blog. Ma page n'a pas été créée pour insulter les gens. C'est l'agriculture. Même si je ne suis pas à Pabou, je vais gérer mon agriculture étant ici. Je pars de temps en temps. Je vais vendre la chop sur mon bêta. Je vais vous livrer la chop. Je vous envoie le bobolo. Je vous envoie la tomate de Babou, mon village. Je vous envoie le maïs, les aubergines. Je vous envoie comment on appelle ça, les poivrons de l'ouest. Je suis comme vous. J'ai un plan. Ma page n'est pas pour clasher, pour payer les feux de société. Telle est montée, telle a dit que pour que je porte la malchance. Non, je ne suis pas ça. Ce n'est pas le but de la création de ma page. Tu es une femme qui parle un bon verre à la bouche. Tu parles de moi toujours parce que tu t'impressionnes. Je t'ai vu une seule fois de ma vie. À Paris. Je peux montrer aux gens comment j'étais habillée. Tu ne ressens. Tu es disforme. C'est vous qui me faites parler d'elle. Je ne peux pas prendre les mots vraiment à ma bouche. Les femmes qui aiment les Bamileke parce que le Bamileke n'a pas épousé les mères. Parce que le Bamileke a fait ceci. Bambi Pawa, suicidez-vous. Le moment qu'il faut défendre le Bamileke, je prends ma caméra, je défends. Et je dis, Bambi Pawa, haute voix. C'est pour ça que vous avez fait un groupuscule de personnes. Pour vouloir finir le Lofodia. Bonjour Ariel. Bonjour Ariel. Bonjour Carole Bowen. Bonjour Peace Peace. Je ne vous gère pas. La reine met bien avec moi. Je sais faire la part des choses. Mais je n'ai rien contre la reine met bio. Je la respecte. Elle ne sera jamais comme vous. Elle n'a jamais mis les crottes et mangé. Oui. Elle n'a jamais mis les crottes dans la bouche. Jamais. Peut-être que les gens de mettre ta voix. Les gens sont là, les téléspectateurs vous voient. On vous regarde. On regarde vos manières de parler. On regarde vos formes. Vous êtes des sales femmes. Vous dites ça tous les jours, non? Ouais, vous ne comprenez pas. Vous êtes des sales femmes. Vous parlez de moi tous les jours. Je ne vous gère pas. Aucune étoile est finie avec elle. Elle sort, je sors. J'ai fini avec elle. Je peux décrypter cette idée où elle fait des incohérents, mais je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ça. Je l'ai enlevé derrière ma soeur, c'était mon objectif.
après avoir découvert son hypocrisie. C'est tout. Vous parlez de moi pourquoi partout. Tout est pardon. Ne me dites même plus, je ne gère pas. Je suis connue plus qu'elle. Ce qui est sûr, c'est ça. Ouais, il n'y a même pas de débat là-dessus. Même sans followers, je suis connue plus qu'elle. C'est pour ça qu'elles veulent ma mort. Parce qu'ils ont voulu manger ma grande soeur. Je suis sortie. J'ai dit, vous mentez. J'ai donné l'heure juste de chacun. On peut recommencer. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai bien de personne. Les sales femmes qui mangent les morveux. Vous croyez que je vais passer ma vie à décrypter les directs des gens? Oh! Je ne suis pas une fille bête pour m'asseoir. Quelqu'un fait, il réfléchit, il donne ses idées. Moi, il vient décrypter. C'est ma vie, ça. Vous devez décrypter les directs de ma soeur. Parce qu'elle vous dépasse. Moi, rêve bien. La fille du commissaire priseur. Je fais de mon blog décrypter les directs des gens. Vous êtes malade. C'est un dénigrement terrible. J'insulte même ma propre personne, mon estime. Je dénigre mon estime. Telle personne fait le direct, je décrypte. Telle personne fait le direct, je décrypte. Telle personne fait, je décrypte. Ce n'est pas la bêtise. Hein? Quand Paul lui a parlé, les gens restent décryptés. Il n'est plus avec vous. Vous avez parlé pour un mot. Elle a dit quoi? Elle est partie. Maintenant, quand Meni vient, vous allez parler, elle est partie. Dans deux semaines, quelqu'un d'autre viendra encore. Vous allez pour parler. C'est votre travail. Donc, vous me voyez en train de décrypter le direct de Ngoï. Quand Ngoï est qui par rapport à moi? Mimi, et quand t'as coqué. Ngoï est qui par rapport à moi? Que je m'assois et décrypte le direct de Ngoï. Je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue parler aux mamans qui ont laissé les enfants en Afrique. Ce n'est pas pour ça. Donc, ne me dites plus qu'elle a parlé de moi, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas. Je suis la soeur d'une star. Ma soeur est une star. Internationalement commune, en déplaise certains. Ouais, le goût de ça. Le goût de ça. La soeur du star. Ouais, elle aime bien. Oh, l'autre jour, j'ai fait un aller-retour à Düsseldorf. À Düsseldorf. Maman, j'ai parlé. Ça partit de ma voix qu'on m'a reconnu. Que c'est pas elle aime bien. Je faisais même comme ça. La soeur, qui vous connaît? Les sales femmes. Les sales femmes. Même dans mon petit fou, là, je suis jolie. Je suis la fille du commissaire prisé. Je partais à l'école à Oume. J'allais à l'école à Oume. Mettez à nous, mais là, je ne vais plus traiter avec vous. Je traite avec vos chigas, la fille du docteur. Je ne traite plus avec vous. Parce que quand tu es né dans la boue, sors de la boue. Tu essayes de faire. Mais si tu continues à patauger dans ça, je ne traite plus avec vous. Je ne vous écoute pas. Je ne vous écoute pas. Comme la reine Mébé ne vous écoute pas. Comme l'eau ne vous écoute pas. Vous avez vu la reine Mébé venir vous répondre que elle s'adresse à Ngoï. Le reste ne vous gère pas. C'est ça qui me plaît sur la reine Mébé. Elle, c'est Ngoï. Elle ne gère pas les nyama-nyama. Moi, c'est Ngoï. Et Mbombon, Yindi, Matienne. Elle ne gère pas les trucs là. Dis donc, je m'attaque aux têtes de Meta. Elle vient m'attaquer aux chevaux là, c'est en passant. Vous avez compris? Chez vous, c'est en passant. Je m'attaque aux têtes. Jusqu'à Mbombo, Yindi Matienne, pas qu'elle parle. Vous connaissez tout le monde qui répond à tout le monde. Hein? Yindi Matienne vous a chassé, que quittez. Il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Vous voyez, quand elle me répond, même, elle prend du temps. Parce que la salle de la star, dis donc, qui vous connaît? C'est vous qui venez acheter chez nous. Non, ne vous gère pas. Donc, je reviens à mon sujet. Mes pages sont strictement signalées. Ma page, j'ai 9 jours. C'est elle les pages des filles là. C'est elle les pages, même de croti-crotte à signaler. C'est elle, parce qu'elle me signe ma page. Elle a dit qu'elle signe ma page, signaler les filles. Toutes les pages qui dénigrent Lolo, signaler. Oui, Ariel, j'ai compris. Signalons. Mon père, au pays des gâtés, gâtés, c'est gâté, qui est roi. Moi, je veux signaler vos pages. Oui, je veux signaler vos pages. Bien même. On va se faire ça dur. C'est vous qui voulez la visibilité, qu'on vous voit. Je vais m'asseoir derrière ma soeur, on me voit. Ouais, même derrière ma soeur, on me voit. C'est ce qui est sûr, c'est ça. On va signaler vos pas. Les Lomagnas. Hey, qui a mis la photo de maman Hidjo comme ça? La belle photo de maman Hidjo. Signaler. Donc, c'est tout. Les Avianais sont jalouses de moi.
Je suis la fécafoute. Vous êtes jalouse. Oui. Parce qu'à un moment, vous étiez entré. Marcette est devenue votre pop-corn. Marcette est devenue. Vous n'êtes pas témoin. Lancez les hostilités, on se remarque, clash. Marcette est devenue le pop-corn de tout le monde. Des personnes parlent comme ils veulent. Des personnes parlent. Je suis la fécafoute. C'est depuis longtemps. Et pas aujourd'hui. Je suis la fécafou depuis le Cameroun. Renseignez-vous, vont vous dire. Ce n'est pas aujourd'hui. Je suis la fécafou. Voilà. Je suis la mère d'un pro et la grande mère des pros. Qui vous connaît? Donc, c'était en disant ce que les mamans qui ont laissé les enfants en Afrique, merci de partager mon direct. Mes pages sont strictement restreintes. Partagez mon direct. Les mamans qui ont laissé les enfants en Afrique, ne vous gênez pas. Ne vous précipitez pas d'amener vos enfants en Europe. L'Europe que vous voyez là, ça détruit nos enfants. Ça détruit nos enfants. Si tu n'es pas accompagné d'un homme, d'un mari solide, digne de ce nom, intègre, c'est que tes enfants vont se perdre. Surtout pour nous les mères seules. Si tu es mère seule, et que tu sais que tu n'as pas la poigne, tu n'as pas le caractère qu'il faut, tu n'as pas l'endurance, tu n'as pas les poumons pour supporter, laisse ton enfant en Afrique. Mais choisis un bon cadre pour son éducation. Ne sois pas impressionné par des gars qui ont amené les enfants en Bénin et qui ont raté. Les enfants se perdent en Europe. L'Europe donne tout à un enfant pour finir docteur, pour finir avec bac plus 5, bac plus 3, bac plus 4. Mais rares sont ceux qui vont jusqu'au bout. Fais attention. Si tu sais que tu n'as pas l'endurance, tu n'as pas l'exigence, si tu n'es pas une femme ordonnée, exigeante, laisse ton enfant au Cameroun. Tu n'es pas obligé de laisser ton enfant chez les membres de ta famille. Arrêtez de vous attacher aux membres de votre famille. C'est ça qui a tué nos parents. Parce que nos parents s'attachaient aux membres de la famille. S'il devait payer l'école à son enfant à 100 000, il divisait en deux. Il payait 50 000 parce qu'il fallait payer pour les enfants des autres cousins. Ton Mouna d'abord. Ce n'est pas de la méchanceté. Ton Mouna d'abord. Après, tu pourras aider les autres. Ma mère est décédée. Qui parle d'elle? C'est moi. C'est Lolo. Ce sont mes frères. On parle de ma mère tous les jours. Ce ne sont pas les cousines, les cousins, les tantes, les oncles qui parlent de ma mère. C'est nous. Ton Mouna d'abord. C'est tout, Ariel. Si tu as un cadre adéquat, propice, laisse ton enfant. Si tu as des bonnes copines, des bonnes cousines, mieux tu laisses ton enfant chez la cousine que de laisser chez un frère même. Moi, si mon enfant parlait français, il parle français, certes. Mais le français, la grammaire du français est comme la grammaire allemande. Très difficile. Si mon enfant avait une bonne grammaire, je ne réfléchissais même pas à le renvoyer au Cameroun. Je ne réfléchissais même pas. Bonsoir Angéline. Bonsoir ma soeur, ma sisto. Il y a les bonnes écoles au Cameroun. Si votre enfant au Cameroun, s'il vous plaît, merci de partager mon direct, je vous en supplie. Laissez l'enfant au Cameroun. Choisissez des bonnes écoles. Prenez les professeurs des enfants comme vos répétiteurs. Mon professeur de comptabilité était mon répétiteur. Mon professeur de comptabilité était mon répétiteur. Le prof qui m'a donné compta était mon répétiteur jusqu'en terminale. Ça paye. Mettez le paquet. Elle a appelé la directrice, elle a dit à la directrice que je veux le nom du professeur de compta. Elle a donné le nom du professeur de compta. On a donné le numéro de téléphone, il me tenait à la maison. Il venait me tenir à la maison. Mettez le paquet sur vos enfants.
même pas reconnaissants. C'est ça qui a tué nos parents. Nos parents ont investi beaucoup plus les enfants des autres. S'il fallait payer l'école de ton enfant à 500 000, tu divisais en deux, parce que tu voulais aider les autres. Ils ne parlent plus de vous depuis que vous êtes décédé. Ce sont vos enfants qui parlent de vous. C'est moi qui parle de ma mère, Luisani. C'est moi qui dis que ma fille va s'appeler Luisani. C'est mon frère qui parle de ma mère. C'est ma soeur qui parle de ma mère. Rares sont les cousins qui pensent à toi. Rares sont ceux qui s'arrêtent sur ta tombe. Rares sont ceux qui lisent des messes pour toi. Il n'y a que tes enfants. Ce n'est pas méchant de dire ton enfant d'abord. Vous avez compris? Bonsoir ma Chancy d'amour. Chancy ma. Il y a des bonnes écoles au Cameroun, mesdames. Si vous avez la possibilité de renvoyer vos enfants au Cameroun, n'hésitez pas. N'ayez pas peur. Quand vous avez la foi, quand vous priez, priez pour vos enfants, rien ne va leur arriver. Il y a des bonnes écoles au Cameroun. La base de l'éducation scolaire, c'est au Cameroun et nulle part ailleurs. La base de l'éducation scolaire, c'est au Cameroun. Maman, elle coquine. Il y a des femmes ici en Europe qui n'ont jamais fait une dictée à leur enfant. Je ne vous mens pas. Elles n'ont jamais fait une dictée à leur enfant. Il y a des femmes ici en Europe qui n'ont jamais fait une dictée à leur enfant. La dictée, elles n'ont jamais fait avec leur enfant. On n'a pas le temps. Je commence à 7h du matin jusqu'au 19. Jusqu'au 19 octobre. Je commence à 7h. C'est-à-dire que 7h du matin, je suis déjà au lieu. 7h, je suis déjà là-bas. Je reviens ma fille à 6h. Comme je suis dans un petit village, ce n'est pas difficile. 7h du matin, je suis au lieu du crime. 7h du matin, jusqu'à 16h. Quand tu rentres, tu as le temps, tu as la force. Il faut être courageuse de rentrer à 16h et de lire le cahier de l'enfant. Il peut même te duper. Il a la possibilité de te duper, mais tu es fatigué. Il a la possibilité de te duper parce que tu es fatigué. Ce n'est pas de ta faute. Tu es épuisé. Donc, s'il y a moyen, mesdames, quand tu vois déjà que ton enfant commence déjà, maman, n'aie pas honte de le renvoyer au Cameroun. Il y a toutes les stratégies pour le battre, pour le repousser au pays. Tu ne regretteras pas ça. Je ne peux pas généraliser parce qu'il y a toujours des règles. À toute règle, il y a des exceptions. Ariel! Si tu es en Europe, tu ne manqueras pas l'argent pour inscrire ton enfant dans une bonne école. Tu ne manqueras pas d'argent pour inscrire ton enfant dans une bonne école au Cameroun. Ariel, 600 000 ne dépasse aucune benguiste l'année. 600 000 francs, 1000 euros ne dépasse aucune benguiste l'année. Si ton enfant fait 600 000, une bonne école primaire, ça ne dépasse aucune benguiste de payer 600 000 l'année. Ça ne dépasse aucune benguise de payer 600 000 francs l'année pour l'école de son enfant où ils seront bien, 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 bien suivis. Tu ne peux pas être une benguise, ton enfant fait l'école publique. Tu ne peux pas être une benguise, tu mets ton enfant à l'école publique et tu t'attends un bon résultat. C'est rare. C'est d'abord nos enfants. Je le dis à qui veut l'entendre. Et je n'ai pas froid aux yeux quand je le dis. Tu ne peux pas être une benguise. C'est dur pour les gens qui sont au Cameroun. Certains, pas tous. Mais si tu es une benguise, tu peux manquer 1000 euros l'année pour ton enfant. 1000 euros, c'est l'école la plus chère même. Les écoles encore plus chères. Il y a des écoles de 300 000, 400 000. Mais le cadre est bien. Les écoles primaires. Tu vas amener l'enfant ici. Dans votre grande ville où vous vivez là, on va le mettre, pardon, dans une école privée. On va le mélanger avec les Syriens, les Marocains, les Algériens. Les enfants, mais tu ne sais même pas où ils sortent. Tu ne sais même pas où ils sortent. On mélange tes enfants avec tout ça. L'enfant passe la plus grande partie de son temps à l'école. Bonjour Sandrine. L'enfant passe la plus grande partie de son temps à l'école. C'est pour ça qu'on dit qu'on est bon, la société nous transforme.
C'est à partir de l'école qu'on commence à être transformé. C'est à partir du contact avec nos camarades. Ma fille à la crèche commence à être transformée, je vois. À partir de la crèche, je vois la transformation à ma fille. Je la vois dire des mots que je n'ai pas prononcés chez moi. Parce qu'elle apprend à la crèche. Merci Sandrine. Si votre enfant a 10 ans, madame, laissez-le en Afrique. S'il vous plaît. Choisissez un cadre propice, adéquat. Sécurisé. Mettez-le là-bas, vous le laissez en Afrique. Prenez les répétiteurs qu'il faut pour vos enfants. Vous voyez ici en Europe, on dit à l'enfant que tu as besoin d'étudier à la maison. Tu as tout fait. Combien de femmes ont le répétiteur ici en Europe pour l'enfant? Combien de femmes ont un répétiteur ici en Europe? C'est 12 euros l'heure. Ici dans ma ville, c'est 12 euros l'heure. C'est 12 euros l'heure à prendre ou à laisser. Je me rappelle de l'histoire, la dame l'avait trop bien fait. Ariel, il sera guidé maintenant. Elle avait trop bien fait. Les gens vont se moquer de toi. Tu as renvoyé ton enfant en Afrique? Dis oui. J'ai renvoyé mon enfant en Afrique? Oui. Parce que demain, je vais profiter des fruits de mon enfant. Pas toujours de l'argent. Seulement le voir installer, être chef quelque part, c'est déjà une gaieté, une joie pour un parent. Même après le bac, tu ne te presses pas d'amener l'enfant ici. Il peut taper encore 3 ans. Il y a maintenant beaucoup d'opportunités après 3 ans, après le bac, pour que l'enfant vienne en Europe. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à eux. On n'a même plus besoin d'avoir un tonton en Europe. On n'a plus besoin d'avoir un tonton en Europe pour venir. C'est avant qu'on nous blasait. Comme oh, la grande sœur en Europe, la cousine en Europe. Il y avait les familles qui n'en avaient pas. Tu vas en Europe, tu vas à l'école au Cameroun. Tu n'as pas besoin d'avoir un tata. Tu te sers d'internet. Tu envoies les papiers qu'il faut. L'école même t'invite. Tu auras seulement besoin de quelqu'un qui va t'aider à payer le billet d'avion. La meilleure éducation scolaire, c'est en Afrique. Sandrine, la meilleure éducation scolaire, c'est en Afrique. C'est pour ça que j'ai déménagé des grandes villes pour me cacher dans un petit village. Partout où mon fils est, il est le seul noir. Ce n'est pas trop bien, mais c'est aussi bien. Si on le voit là-bas, on m'appelle, on l'a vu. On l'aperçoit là-bas, on m'appelle, on l'a aperçu. Dès que la police vient et qu'on a vu ton enfant, on sait que c'est lui. On le reconnaît, c'est le seul. Tu as l'œil. Il y a le Congo, ça, les petits villages. Dès qu'on aperçoit, on dit que j'ai vu ton fils hier. Tu dis même à une, deux, trois personnes, tu le perçois, dis-moi. Dès que tu vas en ville hier, j'ai vu ton fils. C'est pour ça que j'ai fui la grande ville. Je peux m'installer où je veux, en Allemagne. Il peut essayer d'aller vivre à Berlin demain. Je peux m'installer, je me mets sur internet. Je fous, je cherche, je pars. Je ne travaille pas. Je m'en vais à Job Center Berlin. Je m'installe à Berlin. Mère de deux diamants, je suis à Job Center. Ils vont me donner l'argent. Waouh. Bonjour la doseuse. Bonjour la doseuse. Bonjour ma sistou. Donc, ne cédez pas aux moqueries. Ne cédez pas aux moqueries. Si vous avez la possibilité de laisser vos enfants en Afrique, fermez vos oreilles aux critiques. Mais investissez. Oubliez les mèches brésiliennes. Oubliez les Louboutins. Oubliez les sacs Chanel. Investissez pour l'éducation de l'enfant en Afrique. Même s'il y a deux répétiteurs, prenez. Même si c'est deux. Le professeur de comptabilité m'avait dit que je vais fendre ta tête, je vais mettre la comptabilité dedans. Mon prof de compta, il était petit, un petit homme comme ça. Il m'a dit que, bien, je vais fendre ta tête, je mets la comptabilité dedans. Comptabilité dedans. J'en avais, je ne voulais pas entendre parler. Je ne voulais pas entendre parler de la comptabilité. Ma tante,
à qui je dis merci. Elle a pris le répétiteur, mon professeur, perse, titulaire. C'était mon répétiteur. Il m'a dit qu'il veut fendre la compta, je mets dedans. Et elle ne me donnait pas le bon. Quand il arrivait, même si je suis où, je dois être là. Il n'y a pas des histoires que je suis fatiguée, pardon. Tu sais quoi? Elle entend seulement comment il crie en haut là-bas, elle en bas, il crie. Quand je descends, elle dit que yo, tu as fini, je dis que j'ai fini. Maman, la tête chauffe. Mais après, tu t'habitues. Le système de l'Europe a été conçu pour détruire nos enfants. Voilà la doseuse qui dit qu'elle vit dans une grande ville. Dans une ville, 2 heures de Paris, mais elle est mieux. Je suis dans un petit village. Tu entends les oiseaux chanter. Comme mon fils est parti aux entraînements là. S'il a détourné, demain ou après, demain, on va me dire. Il y a trop le Congo, ça, les petits villages. Rêve. J'habite dans une zone Gestengesien. Hé? Est-ce que ma zone Gestengesien? Ya, j'habite une Gestengesien. Il me choque. Il dit que, il me choque. On veut filmer. On parle souvent la photo, on le filme même souvent. J'ai une copine, j'ai filmé son fils, j'ai envoyé. Elle me dit que merci, rêve. J'ai filmé une Allemande, j'ai filmé son fils, tac, tac, j'ai envoyé. Dès qu'elle croise mon pied, nos mères filmées, elle envoie que j'étais. J'étais dit, maman, comment tu as su que j'étais là? Il ne sait pas que nous, on a mis nos pions partout. On a nos pions partout. On a nos pions partout. C'est ça l'avantage du petit village. Tu peux venir ici chez moi, tu vas t'ennuyer. De se habituer à la solitude, ça me plaît. Ça m'évite les problèmes avec les gens. Je dors, j'ai la paix. Je n'entends pas le bruit. Il n'y a pas les mauvaises odeurs. Tout est salubre. Tout est salubre. Je n'entends pas les... Il n'y a pas les mauvaises odeurs, man. C'est tout est ordonné. Maman, coucou. Je suis en Bretagne. Miranda dit, et dans le collège public, mais je paye une aide au devoir psychologie en même temps. Qui bosse avec lui à la maison 3 heures par semaine, 230 euros. Tu as vu? Elle a mis 230 euros pour sa fille. Mais beaucoup de femmes camerounaises ne le font pas. Mesdames, mettez le paquet pour l'éducation de l'enfant. Je vous donne une astuce. Si vous n'arrivez pas, prenez les répétiteurs au Cameroun. Ils travaillent via WhatsApp. C'est ce que je fais depuis 3 ans. On travaille via WhatsApp. Malgré que le français, ça le dérange, mais il force. Il n'y a pas de que le répétiteur va t'appeler à WhatsApp. Tu me dis que tu es occupé. Je n'entends pas ça. Ne laissez pas. Parce que l'enfant vous piège. Il vous teste. Oh, je suis fatigué. Je n'ai pas envie d'étudier. Ne laisse pas. Si tu laisses 1, 2, 3 fois, c'est terminé. Quand le répétiteur appelle, tu dois être là sur WhatsApp, connecté avec ton casque. Ils font les matchs. Ça te revient moins cher. Tu motives le répétiteur. Ça revient moins cher. Ça aide. Même pour l'anglais. Vous pouvez prendre quelqu'un au Cameroun qui parle anglais. Un anglophone. Il donne les cours d'anglais à votre fils. Vous payez 50 euros. Vous en dépassez 10 ans. N'aie pas honte des injures. N'aie pas honte des candidats. N'imitez pas vos copines de Mbeng. La meilleure éducation scolaire, c'est en Afrique. Nombre de fautes, nombre de coups. Maman, école, je... Ouais, maman, ne commence pas, bite. Je bois roux. Yeah. Ok. Nombre de fautes, nombre de coups. La meilleure éducation scolaire, c'est en Afrique. L'enfant garde bien ses repères en Afrique, comme Sandrine l'a dit. Si mon fils était bon en français écrit, il est bon en oral. Mais s'il était bon en Afrique, je ne réfléchissais même pas. C'est le loi qui dérange, c'est que le loi a peur. N'allait même pas demander son avis. Je l'aurais renvoyé depuis très longtemps. Je l'aurais renvoyé depuis, parce qu'il n'y a pas de collège allemand. Il n'y a pas de collège allemand. C'est ça qui me freine. Je l'aurais renvoyé depuis. Il y a ça et son sport qui me freine. Les petites villes sont mieux. Comme la doseuse dit, retirez-vous des grandes villes, mesdames. Pour le dire, j'ai fui la grande ville parce que j'ai vu.
J'ai vu les allures. Je me suis levé un matin qui déménage. Je me suis levé un matin qui déménage. J'ai vu les allures. Faites attention. Il y a les femmes qui ont laissé les enfants en Afrique qui ont échoué. L'enfant a échoué parce qu'elles n'ont pas mis le paquet. Parce que l'enfant, c'est le reflet du parent. L'enfant, c'est le reflet du parent. Comme elles-mêmes ont échoué académiquement. Hein? C'est pour ça que les enfants aussi ont échoué. Pourtant, tu peux prendre tes erreurs. Tu peux prendre tes erreurs. Tu corriges tes erreurs sur tes enfants. Moi, je corrige mes erreurs sur mes enfants. Quand je sors le matin, je sors avec son téléphone. Quand je reviens, tu as fini tes devoirs. Oui, montre-moi. Je lui remets le téléphone. Nous sommes quittes. Il bavarde. Il me dit tous les mots du monde. Tu es mauvaise maman. Tu es la plus mauvaise des mamans. Tu es... C'est pas mon problème. Je suis la plus mauvaise des mamans. Ça ne chauffe pas. Wow, je préfère telle personne que toi. Ce n'est pas un problème. Demain, je serai son modèle. Oui. Pour moi. Pour moi, maman, dans ta niche, mais bite. Pour moi, ma tante qui m'a élevée était la plus sévère femme du monde. Oh, qu'elle m'énervait. Ouais, m'énervait, Seigneur. C'était la plus mauvaise. Mais maintenant, je la loue. Réussi dans tous les domaines, elle a réussi, elle a tout réussi. Ma tante a tout, elle a réussi partout. Parce qu'elle a gardé la mentalité de mon père. Elle était sévère. J'ai vu ma tante dire à son fils qu'elle... Ouais, Seigneur. J'ai dit que sévère, c'était plus bon. Ils ont tous réussi. Ils ont tous réussi. N'imitez pas les parents qui cajolent les enfants là. Ça, quand je vois ça, je l'appelle. Un homme, un parent qui cajole un enfant, gâte l'enfant. Si tu as ton mari, si vous êtes séparés et que l'enfant va souvent chez le père, tu te rends compte qu'il cajole ton enfant, ma soeur. Porte plainte. Il veut gâter ton enfant. Il veut gâter ton enfant. C'est où l'enfant n'aime pas aller que je t'envoie même. Mais je me renseigne. Pourquoi tu n'aimes pas aller? Parce qu'on va te dire de faire ça. Parce qu'on va te... C'est là-bas que je t'envoie. Hourra. C'est là-bas que je t'envoie. Mais je sais pourquoi tu n'aimes pas aller là-bas. Je ne marche pas selon ton rythme. Moi, j'ai pris Acadomia et tu es remboursé. Ah bon, tu es remboursé? Tu es remboursé? Ah oui. Mais je peux essayer ça. Hein. Je ne sais pas si... Les Africains enfants n'investissent pas. Les Africains enfants n'investissent pas dans l'éducation des enfants, je vous jure. Parlons peu, parlons vrai. Les futilités, les iPhones, les chaussures dernier cri. Il y aura toujours les chaussures dernier cri. Les Africains, pas tous, il y a toujours, quand on parle généraliste, j'ai dit la plupart des Africains en Europe n'investissent pas pour leurs enfants. Tout s'arrête au niveau de l'école, c'est une erreur. Je suis allé au Cameroun, j'ai vu un enfant préparer son BP, son CEP et son concours d'entrée en 6e, mais j'ai eu l'impression de revivre mon CEP. J'avais honte. Il dit qu'il n'y a pas l'école en Bénin. Mais l'enfant me donnait les cultures générales. Mais l'enfant me répondait aux questions. Mais j'étais perdue. Les problèmes mathématiques. Mais c'est pas possible. L'enfant faisait des calculs. Mais c'est pas possible. Il est le concours des trois meilleurs. Parce qu'il y a les meilleures écoles. Il y a les meilleures écoles à Douala. Hein. Il est le concours des trois meilleures écoles à Douala. Les trois meilleurs, les trois têtes de liste, il est le concours. Des trois. Maintenant, c'est à son parent de dire que tu vas aller à tel endroit. Moi, j'envie les femmes qui sont en Afrique avec leur enfant.
j'envie. N'aie pas honte de faire retourner votre enfant en Afrique au cas où le besoin se présente. N'aie pas honte. Ne vous occupez pas des candidats. Retournez-le. Il y a des techniques pour le flatter, pour qu'il retourne. Vous allez trouver une technique. Vous investissez. Vous ne le mettez pas à l'école du centre. Ne le mettez pas au lycée. Il y a les bons lycées aussi. Hein. Il y a les bons lycées. Mais attention. Il y a aussi les bons collèges. Renseignez-vous. Je vous parlais d'une dame qui a envoyé sa fille à l'université de Kwame Nkrumah. Maintenant, elle est aux États-Unis. Quand sa fille est arrivée au Ghana, parce qu'il y a une bonne académie, il y a un bon système académique au Ghana. Ce n'est pas le bébé. Le Ghana, c'est la mort. Si tu n'as pas moyen d'envoyer ton enfant en Europe étudier, mais envoie-le au Ghana. Les écoles de l'Europe vont le chercher là-bas au Ghana. En Angleterre, on va le chercher au Ghana. Envoie-le au Ghana. Donc, la dame envoyait sa fille à l'école, à l'université de Kwame Nkrumah. Sa fille avait la belle, elle dit que maman, elle posait 10 000 euros. Elle dirait, je travaillais matin, midi, soir, je travaillais de jour comme de nuit, j'ai posé 10 000 euros. Ma fille entrait à Kwame Nkrumah. Quand elle a entré à Kwame Nkrumah, elle m'a dit, c'est quoi de Compiègne? Il y a un truc à Compiègne. Pour entrer là-bas, c'est très difficile. Il y a quoi de Compiègne là? C'est eux qui ont appelé là-bas pour solliciter sa fille. Elle n'a pas dépensé un euro. Parce que dès l'enfance, elle payait à l'école cher à son enfant. Elle payait les répétiteurs cher. Ses trois enfants ont réussi. Elle m'a dit, c'était quoi de Compiègne? Attendez, je l'ai appelé. Je vous donne les astuces parce que ça peut vous aider. Ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Donc, il y a une université, c'est pas une université à Compiègne, qui est très, très, très sélective. Ils ont appelé et on a pris sa fille là-bas. Elle n'a pas dépensé 5 francs. C'est pas parce qu'on met les enfants les gros blousons, on a les tennis Nike au pied, on a les tennis Adidas, ils vont à l'école, on a les gros trucs, on a les Ralph Lauren. Non! Non, quand tu le renvoies au Cameroun, le discours, quand il commence à dialoguer avec les autres enfants là, oh, le niveau n'est plus bon. Donc, mesdames, n'ayez pas honte de laisser vos enfants en Afrique. Mais la seule chose qu'on vous implore, c'est de vous investir pour leur éducation. Mettez le paquet. Si moi j'ai échoué, mon enfant n'a pas le droit d'échouer. Mon enfant n'a pas de droit d'échouer. Si tu es mère seule en Europe, ne te précipite pas d'amener ton enfant ici. Ce n'est pas facile. Il faut d'abord aimer. Il faut d'abord aimer l'école pour le transmettre à l'enfant. Si tu n'aimes pas d'abord toi-même la base et l'école, tu es mère seule, hein? Tu ne peux pas. Tu vas laisser. Mais quand tu rentres, tu es fatigué. Ce n'est pas ta faute. Tu rentres, tu es épuisé. Et l'enfant profite de ça. Tu ne peux pas tout contrôler. Il faut, j'ai à faire le devoir si il t'embrouille pour qu'il n'a pas fait. Tu dois être en connexion avec l'école. Tu dois appeler l'école chaque semaine, au moins une fois par semaine. Oui, bonjour, je suis la mère de tel. Je voudrais savoir si tout va bien. Il faudrait que l'école sache que tu t'investis. Il y a des parents qui restent 2 mois et n'ont jamais appelé l'école de l'enfant. Il y a des parents qui n'ont jamais appelé l'école de l'enfant 2 mois. Tu dois appeler chaque semaine. L'école va sentir que la maman si s'investit. C'est ça la mère seule. Mais tu ne peux pas tout contrôler. Tu appelles au secrétaire, tu es la mère telle. Telle classe. Tu veux juste savoir si tout va bien. Ils vont informer la maîtresse ou le professeur. Il va te contacter, il va te dire qu'il y a tel problème. Et tu n'appelles pas, l'enfant va te jongler. Chaque semaine, appelez l'école des enfants une fois. Une fois, appelez. Vous avez le droit d'appeler. Ne restez pas 2 mois sans être en connexion avec l'école de votre enfant. Ce n'est pas possible. Ils vont vous jongler. On ne reprend pas. On reprend où? En terminale? Ou bien le brevet? C'est quel brevet? Si tu n'as pas les moyens de payer 12 euros l'heure, il y a les répétiteurs au Cameroun. Les gars là sont pleins. Hein.
Les gars là sont des mathématiciens. Mais les gars tournent au quartier, ils ont la maths dans la tête. Ils n'ont pas les dos. Tu dis que petit frère, je vais t'envoyer tous les mois 50 000. Ma soeur ne joue pas au dur. Envoie de ces 50 000. Il tient ton mouna. Il tient ton mouna. Tu vois un autre petit anglophone. Tu dis petit frère, je vais t'envoyer 30 000 tous les mois. Prends-moi le mouna si deux fois par jour. Deux fois par semaine. Seulement le speech. Vous parlez. Vous parlez. Quand il parle, seulement parler, ça va donner le goût. Parce que à force de forger, on devient forgeron. L'habitude devient seconde nature. L'habitude devient seconde nature. Moi, il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que j'étais habituée à des choses que je n'arrive pas à faire. Parce que j'étais habituée comme ça. C'est devenu une seconde nature pour moi. Donc, si vous l'habituez à causer avec quelqu'un en anglais, deux fois par semaine, il va prendre goût. Ça va vous coûter 150 euros le mois. Ne trouvez pas que c'est trop cher. Même si vous n'avez pas fait d'économie dans votre compte, ça va vous payer demain. Ça va payer demain. Donc, n'ayez pas honte d'être celle qui va retourner son enfant en Afrique. N'ayez pas peur d'être dur avec vos enfants. La mère, c'est la mère. On ne peut pas changer la mère. Il peut apprécier quelqu'un d'autre, mais tu restes sa mère. Vous avez compris? N'aie pas peur d'être dur. Mon fils et moi, c'est la bagarre tous les jours. Et... ouais, Seigneur, tous les jours. Voilà. Il s'est servi, il n'a pas fermé. Je vais le laisser. Il va venir remettre lui-même à place. Je ne mets pas. Il va finir ce qu'il a fait. Il va revenir me ranger ce qu'il a. C'est comme il a trouvé. Je ne prends pas, je range à sa place. Ça l'énerve jusqu'à. Mais ce n'est pas grave. Comme il a laissé là, je n'ai pas touché. Il va venir trouver tout ce qu'il a laissé. Il va remettre à chaque chose à sa place. S'il va aux salles de bain, il ne chasse pas. Je ne chasse pas. Je ne chasse pas. Je laisse. Même s'il est au ciel, quand il va revenir, il va aller chasser. Il va bavarder, il va tout me dire. Mais il va faire. Parce que nous, les parents, on a l'habitude de venir faire. Il a laissé, je fais. Non, 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 non. Laissons les enfants faire. Corriger leurs propres erreurs. Le système européen. Maman, si tu fais encore ça, je ne range plus, d'accord? Oui. Le système européen est conçu pour gâter nos enfants. Prenons le cas de MHD. Vous qui vivez dans les cités. Quand ton enfant vit dans la cité, il faut trop de chance qu'il n'appartienne pas à un gang. Parce que quand il n'appartient pas à un gang, on commence à le provoquer. On se moque de lui. Si à la maison, tu ne forges pas son mental, et même si tu forges son mental, quand il habite dans une cité, il finit par appartenir à un gang. Il finit par appartenir à un gang. C'est pour ça que les vacances sont faites pour faire bouger l'enfant. Les vacances sont faites pour bouger l'enfant. Sortir de ton monde et t'amener dans un monde inconnu. C'est pour ça que les vacances. C'est ça le rôle des vacances. Parce que l'enfant reste à la cité. Pendant les classes, il est à la cité. On donne les vacances, il est à la cité. Il finit par se faire un gang. Pourtant, s'il est habitué à partir chaque vacances, il ne trouve pas exactement un repère. Tu l'as habitué à partir. Et ça devient une seconde nature. Même quand il grandit, il veut toujours partir. Si on donne les congés, l'enfant est là. Tu habites à Genteuil. Tu habites à Bondy. Tu habites à Anthony. On donne les congés, l'enfant est là. Congé de Noël, il est là. Congé de Pâques, il est là. Grande vacances, il est là. C'est normal. Pourquoi ça t'étonne s'il appartient à un gang? Moi, quand on donne congé, tu pars. Quand on dit congé, là, tu pars. En octobre, là, il y aura 10 jours, tu pars.
Ils sont toujours en train de partir. Je sais pourquoi je le fais. Que de laisser tourner au quartier, tourner en ville. Ils ont 10 jours en octobre, vous partez. Plaigne-toi que là-bas ça ne me plaît pas. On ne fait pas ça, ce n'est pas mon problème. Tu pars. J'ai trouvé moyen de flatter. Congé de Noël, vous partez. Faites l'effort de déplacer l'enfant. Faites l'effort de l'éloigner quand il y a les congés. Qu'il se détache. Les Camerounais aiment trop laisser les enfants sur place. Même si ce n'est pas les vacances chères, même s'il faut aller dans la ville d'à côté, même si c'est le quartier d'à côté, si c'est à Paris, si il quitte peut-être Bondy pour Anthony, fais l'effort. Mais fais-le quitter son environnement. Mon fils ne passe jamais les vacances ici, ni les congés. Tu pars. Parce que quand tu restes, tu t'ennuies. Tu commences à traîner. Avec les gars, tes amis. C'est la police qui appelle. Oh, ils ont fait ceci. Oh, ils ont fait cela. Pourtant, ailleurs, tu arrives dans un endroit où tu ne connais pas les gens. Tu dois retrouver ton repère. En voulant retrouver ton repère, les vacances sont terminées. Tu es en train de rentrer. Rêve, que penses-tu des deux parents qui travaillent en full-time pour vont faire pour suivre les enfants? Vu que le père et la mère travaillent, l'école finit, les autres restent. Laisse le temps, oui, oh, métabotron, tu ne peux pas. Laisse le métabotron. Si les deux parents travaillent, mieux ils restent au métabotron. Ce que je ne fais pas. Moi, je ne fais plus ça. Parce que je suis à mon compte. Raïssa, laisse-le au métabotron. Comme ça, il rentre à la même heure que toi. Puisque vous deux, vous travaillez. Ne le laisse pas rentrer à 13h. Il reste seul à la maison. Non, laisse-le là-bas. Tu vas payer un peu plus, mais c'est l'investissement pour le devenir de ton enfant. Ne le laisse pas, quand vous êtes deux travailleurs, full-time, non, à temps plein, ne le laisse pas à la maison. Généralement, les blancs, généralement, c'est parce qu'on est venu se chercher. Généralement, les deux ne travaillent pas full-time. Le monsieur fait full-time, la femme fait taille. Elle fait taille. Parce que l'éducation de nos enfants, c'est ça qui nous rend fiers demain. Ce n'est pas l'immeuble que je vais construire. Quand le président Tiengang est assis, il voit sa fille porter les couleurs du Cameroun. On appelle son nom partout sur Meta. Il est fier. Il n'est pas fier des immeubles qu'il a construits. Tiengang n'est pas, il ne regarde pas ça. Tiengang regarde le fruit. Il a conçu une belle mangue. Tout le monde la regarde. On l'admire sur les réseaux sociaux. Elle porte haut les couleurs du Cameroun. C'est la fierté de Raymond Tiengang. Quand ma tante s'assoit chez elle, elle boit son champagne. On appelle le nom de son mari partout. Le nom de son père partout. Mais mon père, c'est son père. Il porte haut le drapeau du Cameroun. On appelle le nom de ses enfants partout. Elle est fière. Elle ne regarde pas les hectares de terrain qu'elle a. Non. Elle dit que j'ai fait du bon boulot. C'est pour ça qu'un moment, le parent doit dire, chérie, entendons-nous. Toi, tu fais full side, moi, je fais tall side. Et on complète le reste peut-être avec notre kindergarten qu'on va nous donner. On gère avec. Mais je reste à la maison à 12 heures, je ne travaille plus. Je travaille jusqu'au 3 ou 14 heures. Le reste du temps, je le consacre à mes enfants. Consacrons le temps à nos enfants. Consacrons du temps à nos enfants. C'est honteux. Il n'y a rien de plus honteux de savoir que ton enfant a échoué, ma. Je ne vous mens pas. Ouais. Il est rentré. Il tire la poubelle. Il allait poser. Comme il a trouvé d'eau, il tire la poubelle. Consacrons du temps à nos enfants. Ne privilégions pas le dolo. Moi qui vous parle. Tu as obligé. Je dis, Seigneur Jésus, même Dieu voit mes efforts. Je n'amène pas les hommes chez moi. Maman. Oui. Il va être comme. Je n'amène pas les hommes chez moi pour ne pas déstabiliser mon fils. Il ne va jamais vous dire que j'ai dormi à gauche, maman a dormi à droite, et nous, il y a un homme qui était à gauche, maman était à droite, j'étais au milieu. Ça n'a jamais existé. Il a 14 ans.
il a 14 ans. Ça n'a jamais existé. Un homme n'entre pas chez moi. Un homme ne s'est jamais assis chez moi comme s'il s'est couché sur le canapé. Mon fils l'a regardé. Ça n'a jamais existé. C'est tout ce qui me chère. Pas parce que je manque d'hommes. Il y a les dragueurs. Pling! Je suis à la frontière des Français, des Luxembourgeois, des Allemands. Les Français sont des gros dragueurs. Je ne sais pas que les Français draguent comme ça. Hein. Les Français draguent très mal. Ils sont différents des Allemands et des Luxembourgeois. Hein. Les Français sont des dragueurs. Justement, je crois que c'est la solution. Un fast-food, ça et l'autre, ça sûrement beaucoup. Ça chez les Allemands. La plupart des Allemands. Allemands font rapide. Oui, Vasten! Bisoumuse. Mais c'est ça! La plupart des Allemands font ça, ma chérie Raïssa. L'un fait folle, l'autre fait taille. D'autres femmes ne travaillent même pas. Elles se consacrent seulement pour son mouna. Activité, oh, elle est détente. Ceci, oh, elle est détente. Son temps, il dit qu'elle peut conduire 2-3 heures de temps. Elle peut déposer ici, elle dépose là-bas, elle dépose ceci, elle dépose. Toujours en train de conduire pour les enfants. Je m'en vais prendre au foot, l'autre natation, l'autre ceci. Je m'en vais répéter. Elles sont toujours en train de conduire. C'est rare de voir les deux qui font full-time. Sauf s'ils ont beaucoup d'argent. Pour payer les répétiteurs, les ceci, l'encadrement et tout. Tu peux compléter. Il y a plein de trucs pour compléter. Mais vous deux, vous laissez l'enfant rentrer. Il est seul. Ma, tu vas regretter. Donc assieds-toi avec ton mari. Vous en discutez. Et les mains seules. Vous qui aimez Binda à gauche, à droite, là. Nambinda ne fuit pas. Hein. Nambinda ne fuit pas. Vous voyez les femmes, mains seules. En 3 ans, l'enfant a connu 4 hommes. L'enfant est le reflet du parent. Tu es le miroir de ton enfant. Quand il se regarde, il te voit. Quand l'enfant met le miroir, c'est toi qui vois. Quand l'enfant met le miroir, c'est toi qui vois. Dans ta maison, on entre, on sort. On entre, on sort. Antoine entre. Joseph entre. Martin entre. Non, 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 mesdames. Surtout en Europe. Tu ne vas jamais entendre mon fils te dire que j'ai dormi, je suis en train d'acheter maman, j'ai trouvé un homme. Jamais! Jamais! Que je suis en train de la chambre de maman. J'ai trouvé un homme. Tu vas jamais entendre ça. Ma chambre n'est jamais fermée. Si vous voulez binda, allez binda ailleurs. Allez ailleurs. Donc, il n'y a rien de plus précieux que vos enfants. L'homme là vient après. C'est quand l'homme te décide maintenant de te prendre et de faire de toi sa côte que tu peux dire que oui, vous avez le même statut avec mes enfants. Mieux tu restes seule, ma soeur. Ça ne tue pas. La femme de MHD, elle va attendre son mari 12 ans. C'est possible d'attendre son mari 12 ans. Elle que je vais l'attendre 12 ans et elle peut le faire. Parce qu'elle a aimé son gars. Donc, vous qui allez travailler toute la journée là, les enfants rentrent à la maison à 13 heures, c'est là où se forment les gangs. Et quand un enfant est dans un gang, même s'il trouve la célébrité, même s'il devient célèbre, c'est difficile de te détacher de ton gang. Le gang, c'est comme la secte. Le gang, c'est comme la secte. C'est difficile de te détacher. Pourquoi Pogba. Pogba se détache de son gang. C'était deux. L'international footballeur qu'on a testé positif l'autre jour là. Pourquoi il se détache de son gang? Il a trop souffert. C'est comme une secte. On ne sort pas de là facilement. Donc c'est mieux que ton fils grandisse sans gang. Qu'il ne te dise pas que vraiment voilà mon ami que quand j'ai grandi, je ne peux pas te dire que j'ai une amie, une meilleure amie. Je ne peux pas te dire parce que je n'avais pas la possibilité d'être toujours dehors. Donc, je ne peux pas te présenter telle comme une vraie amie. Je ne pouvais pas te présenter. Et c'est possible avec nos enfants. Qu'ils ne sachent pas exactement qui est son meilleur ami. Parce qu'il est toujours en train de partir. Tu peux vivre à Berlin, congé d'octobre, tu l'envoies à Düsseldorf chez ta cousine. Congé de Pâques, tu l'envoies à Munich chez quelqu'un d'autre.
congé de machin, tu l'envoies. Mais l'essentiel, c'est qu'il ne reste pas dans le cercle du quartier. Tu le fais sortir. Dans les parents qui sont en Afrique, nous, on vous envie. Hein. Nous, on vit avec la peur quotidienne. Nous, on vit... Même quand mon fils sort pour les entraînements, j'ai peur. Est-ce qu'il va rentrer directement à la maison? Est-ce que son ami ne va pas le détourner? Est-ce que... Et on met ça en prière. Nous, on vous envie. En Afrique, vous avez tout pour que l'enfant réussisse. Ce sont les mamans qui sont ici en Bénin. Vous avez l'argent. Vous avez tout pour que l'enfant réussisse. Il y a tout pour que l'enfant réussisse. Il y a tout. Il y a tout le nécessaire en Afrique. Il faut seulement les moyens. J'ai ma copine qui m'a appelée. Elle me dit, mais mon fils a eu le concours de Lieberman. Je dis, waouh. Waouh. Il a cassé la baraque. Il va faire son cursus à Lieberman. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Lieberman, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Ce n'est pas que c'est l'argent, c'est le qui peut. Qui peut entrer à Lieberman. Ce n'est pas le qui veut. Le concours, là, ça ne rit pas. Il a eu sa pape une fois. J'ai deux copines, déjà, les enfants sont à Lieberman. Donc, les gens que si, dit que je rends mon fils au Cameroun, je les envoie là-bas. Mais il n'y a pas moyen. Donc, n'imitez pas, n'ayez pas honte des critiques. Éloignez vos enfants des amis du quartier. Voilà MHD qui n'a pas pu se séparer du gang. Malgré les appels, les alertes que les gens lui donnaient. Malgré les avertissements que quitte le gang. Malgré les avertissements, les cris de détresse. MHD n'a pas quitté le gang. Le lieu d'habitation, mais bien sûr, le lieu d'habitation aide beaucoup. Raïssa, le lieu d'habitation aide énormément. J'étais en ville, la classe de mon fils était remplie de TK. C'est droit sur grade de gueule, c'est maman. Attends, Yvaël. Arabe, étranger. Maintenant, au village, il n'y a plus d'enfants à l'eau. Avec une certaine éducation. Ça me réconforte un peu. Même s'il traîne en rentrant, la voisine va me dire. Tu as vu, Raïssa? Les grandes villes, c'est le mélange que tu veux voir. C'est le mélange que tu veux voir. En fuyant la grande ville, je comprenais encore. J'ai fui. Je suis moi bien ici. Dans 3 ans, il a son bac. Dans 3 ans, il a son bac. Il fait comme il veut. Je prie Dieu que Seigneur maintienne encore le courage jusqu'à 3 ans. Donne-nous encore la force. Mais les amis, certains amis fument de la cigarette électronique. Oui, cigarette électronique. Ils fument de la cigarette électronique. Quittez les grandes villes. Si vous ne pouvez pas tenir l'enfant, déménagez. Il y a les petits villages en France pleins comme ça. Prenez le courage, déménagez. S'il y a moyen de déménager. Le gang, c'est comme une secte. On ne se sépare pas facilement. Où est le chocolat là? Il y a le bonbon dans le sac, va prendre. Il n'y a pas de chocolat. Le gang, c'est comme la secte. Même l'international Fouraleur Pogba n'a pas pu se décharger de son gang. Il a fallu. C'est parce qu'il s'est mis à vie blanche. Il a commencé à se retirer. On l'a même arrêté. On l'a même enlevé. On l'a enlevé pour qu'on t'enlève. On l'a enlevé. Les gars ont dit qu'on ne te lâche pas. C'est comme la secte. Quand tu entres là, tu ne sors plus. Donc, mieux l'enfant n'entre pas dans un gang. Il y a les gangs féminins, il y a les gangs masculins. Il n'y a pas que les gangs masculins. Ils ont enlevé Papa. Ils l'ont enlevé. Le gars, ça m'a été fort. Avant de se détacher d'eux. Mais son petit frère n'a pas pu. Non, son grand frère. C'est son grand frère. Son grand frère n'a pas pu se détacher d'eux. Mais lui, il a essayé. C'était dur. Il a dépensé pour se détacher de ces gens-là. Donc, mieux ton enfant n'entre pas dans un gang. Il n'y a pas de notre groupe d'amis. Tu entends le mot groupe d'amis là, tu cries. Tu dis que groupe d'amis.
Groupe d'amis. Groupe d'amis, on fait quoi? Jamais n'entends pas le mot de groupe d'amis là. Ou trop, tu as deux amis. Si on commence à citer des noms bizarres, tu commences à appeler les parents. Mais il faut être nuisible. Voilà MHD qui gâte toute une vie. Parce que l'entourage. L'entourage. L'entourage de MHD a détruit sa vie. Moi, je n'ai pas dit sa vie est détruite parce qu'il va sortir, il sera encore très jeune. Mais franchement, ça va le freiner. À cause de l'entourage. Je jure sur l'honneur de ne pas trahir mon gang. Je jure sur l'honneur de ne pas trahir mes amis. C'est comme ça le gang. On jure sur l'honneur. De ne jamais trahir, de ne jamais vous abandonner. Quand ton enfant est à 4 amis, 5 amis en groupe, là, ma soeur, fais l'effort de tuer ça. Pas de groupe d'amis. Donc, mes soeurs, n'hésitez pas. Si vous avez constaté que votre enfant vous dépasse déjà, que vous dépensez trop d'énergie, vous criez déjà trop, maman, s'il y a moyen de le renvoyer en Afrique, n'hésite pas. N'hésite pas une seconde, renvoie-le. Si ton enfant a dépassé 10 ans, ne fais plus le regroupement familial. Oublie. Fais seulement ces chaos au sort. Tu le laisses là-bas. Ne l'amène pas ici après 10 ans. Il va dire que ton gars l'a violé. Il va dire que ta femme l'a fait. Il va inventer des histoires. Maman, laisse-le en Afrique. Après 10 ans, laisse ton enfant où il est là-bas tranquille. Maman, laisse-le. Ne l'amène pas ici. Conseil. C'est un conseil. On a vu des femmes, des filles qui ont accusé le père. Elles ont accusé le copain de la... Bonsoir Philippe. Elles ont, mon père Philippe. Elles ont accusé le copain de la mère d'avoir violé. Il y a des femmes, tu laisses ton enfant en Afrique avec sa mère. Tu le fais, tu l'envoies ici. Sa mère l'envoie en mission. Comme tu parles, c'est pour séparer ton père et sa femme. C'est-à-dire que tu laisses ton enfant au Cameroun. Tu dis qu'elle va venir te chercher. Sa mère l'envoie en mission. Comme ma fille, comme tu parles là, tu as une mission. C'est pas moi ton père de la femme là. Parce qu'elle n'a jamais digéré la rupture. C'est comment je peux pas faire. Le bonheur du père de mon enfant, c'est le bonheur de mon enfant. Ce que les femmes n'ont jamais compris. Les femmes n'ont jamais compris ça. Le bonheur du... Quand le père de mon enfant est en couple, oh, toi qui es en couple avec lui, prends-le bien. Non, qui ne me disait même pas que tu le déranges. J'achète le problème. Pas parce que je le veux encore, non. Parce que le bonheur du père de mon enfant, c'est le bonheur de mon enfant. Non. J'achète le problème. Non. On tient, il me met de son côté, on te tient. Oh, pas parce que je le veux, non. Ben, je n'ai pas envie d'avoir un enfant orphelin de père. Je le protège. Ce que beaucoup de femmes n'ont pas compris. Il y a les enfants qui viennent en mission vous séparer. Tandis que le père que va de ta mère, hein. La mission là-bas, c'est de le séparer de sa femme. L'enfant arrive ici, devient le caillou dans ta chaussure. Il te crée tous les problèmes du monde. Il n'a pas dit comment ta femme l'a touché. Il n'a pas dit comment ton mari l'a touché. Elle n'a pas inventé des trucs. Il te met dans les problèmes. Jacques Kahn, mais attends, maman. Je vais te donner. Donc, avant de faire venir l'enfant ici, réfléchissez bien. Il y a tout au Cameroun pour réussir. Il y a tout. MHD s'est mis avec un groupe de criminels, malgré qu'il ait reçu la bénédiction divine. Il n'a pas pu entretenir sa bénédiction. Ils ont coupé. C'est qu'ils ont fait un petit Loïc. Attends, tu fais les messages, je ne te donne plus. N'exige pas. Là, une minute, s'il vous plaît. N'exige pas. Quand tu demandes, tu attends que je te donne. Tu n'exiges pas. Ce qu'ils ont fait au petit Loïc était criminel. Vous comprenez? Ils ont coupé son nez. Ils ont coupé son nez. Ils ont coupé sa partie intime. Ils n'ont pas que tabassé. Ils n'ont pas que poignardé. Ils ont coupé son nez. Loïc n'avait plus de nez.
Loïc, ils ont coupé sa partie intime. Malgré la mare de sang qu'il voyait là, il ne laissait pas Loïc. Il continue à taper. Il y a un match d'été là. On ne manque plus, il était là. Les gens appelaient son grand frère que dis à ton petit frère de quitter le camp, le groupe. Qu'il se détache. Il a eu ce qu'il voulait, les célèbres. Dis à ton petit frère de quitter le coin, le groupe si. Il a tout ce qu'il veut, les célèbres. Qu'est-ce qu'il faut encore avec les merdiers? Les gens ont parlé à son grand frère. Et papa. Un match, tu n'écoutais pas. Maman et papa. Ils n'ont pas que tapé le piquet. Ils ont coupé le nez de Loïc, coupé comme la craque avec le ciseau. Appel. J'ai compris. Non, non, je ne prends pas. Ils ont pris le couteau, coupé le nez de Loïc. Ils ont pris le ciseau, coupé sa partie intime. Tchac. Donc Loïc n'avait plus de os. Il n'avait plus de nose. Vous avez compris. Donc, il était extrêmement méchant. Il mérite sa peine. Et c'est même trop petit. Maman, oui, je ne prends pas. Oui, Miranda. Ils ont coupé son nez. Vous n'avez pas suivi l'interview de la soeur de la cousine à sa maman. Ils ont coupé son nez. Malgré la mare de sang, ils n'ont pas laissé Loïc. Ils ont coupé son os. Il n'avait plus de os, il n'avait plus de nose. C'est ça la transformation de l'enfant en Europe. L'enfant en Europe, vous savez, quand l'enfant est petit, à l'âge de ma fille, c'est 3 ans, ils sont égocentriques. Ils ne pensent qu'à eux. Vous observez à la crèche, ils poussent, ils mordent, ils croquent. Il arrache les jouets. Il ne veut que tout pour lui. Il est égocentrique. Il est égoïste. Il veut tout à l'âge là. Après, il grandit à un certain âge. À partir de 9 ans, 8 ans, il devient bébé à maman. Oui, maman, je t'aime. Bisous, maman. Là, tu es sûr que tu donnes la bonne éducation à ton enfant. Oh, le vrai travail n'a même pas encore commencé. Il vient, maman, il t'écoute, 9 ans, 8 ans, il est le bébé à maman, surtout les garçons là. Il touche tes seins pendant 5 heures de temps, il dort la main sur tes seins, il ne veut pas laisser tes seins, il te caresse, il te touche. Le garçon, le bébé garçon, le fils de l'enfant garçon, 6 ans là, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Quand il arrive à 11 ans, 12 ans, il reprend son habitude de 3 ans. Égoïste. 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Il reprend l'habitude de 3 ans. Égoïste. Il ne veut que tout pour lui. S'il mange, il ne laisse pas pour son frère. Il vide la mamite. S'il voit un fruit, il vide. Il ne veut que pour lui. Il ne vit que pour lui. Il ne vit que pour lui. C'est à ce moment-là qu'il a le plus de boulot. C'est à cette période d'âge, l'âge que mon fils a là, c'est cette période où il y a plus de boulot. Parce qu'il est égoïste. Tout pour lui, rien pour les autres. Il ne veut pas aider. Il ne veut rien faire. Il ne jure que par ses amis. Quand il parle à ses amis, il rit aux éclats. Mais avez-vous, sa voix ne sort pas. Avez-vous sa voix sur moi? C'est à ce moment-là que le dialogue s'impose. Le combat, le ring, vous êtes dans le ring, dans la maison c'est un ring. Vous tapez ça dur. Celui qui gagne, gagne. Mais la mère gagne toujours. Lui, il devient égoïste. Il ne partage pas. Tout pour lui, rien pour les autres. Il reprend l'âge de 3 ans, 4 ans là. Donc si à ce moment-ci, tu ne le transformes pas, tu le perds. Tu le perds. C'est-à-dire que tu te laisses 2 fruits. Tu dis que quand j'ai laissé 2 là, que je viens de trouver 2. Ou tu prends 1, tu laisses 1 à ta soeur. Je ne veux pas entendre. Si tu le dis, puis prends les 2. Il s'en fout, s'en fout. Ce n'est pas lui qui fait. C'est le make-up. C'est pas lui. C'est pas l'enfant qui fait. C'est comme ça le développement personnel d'un enfant. Donc ils ont coupé le nez de Loïc. Ils ont coupé son zizi.
Même la femme de MHT, je la respecte. Je ne me vois pas aimer un homme qui a une telle moralité. Quelqu'un qui va jusqu'à tuer un... Oui! Je ne me vois pas. Mais tu connais, les musulmans sont aussi... Il était parmi. Il a gâté sa carrière comme ça. On n'a pas condamné MHT parce que la jurisprudence française est tribale, machin, est raciste et tout. Non, MHT était là. Ce sont ses amis. Il était avec eux ce jour. Ce n'est pas de mensonge. Tout ce que les gens racontent là, c'est des histoires. Il était là. Et quand il arrivait au tribunal, vous voyez comment il était. C'est un gangster. Vous avez vu son arrivée au tribunal? Il était sûr qu'il va gagner. Parce qu'il avait tout, il avait pris les plus grands avocats de la France. Il a mis le paquet. Mais la loi a été dite. Et cela nous servit de leçon à nous, parents. De faire attention. De faire très attention. Quand l'enfant entre dans un gang, pour qu'il ressorte de là, c'est trop dur. Ne permettez pas les groupes d'amis. Les soirs qu'on s'assoit en bas, on fait les commentaires. Maman passe, oui, bonjour mon fils. Tu le laisses dans le gang, la maman. Ma chérie, cherche déjà un moyen de le renvoyer en Afrique. Cherche tous les moyens. Tu peux être malade en Afrique, tu tombes, tu vois que tu es malade. On te met sous perfusion. Tu peux à l'hôpital, non? On fait comme ça, t'as mis les perfusions. On envoie la photo à ton enfant, ben. Que ta mère est là-bas entre la vie et la mort. Viens la voir. Dès qu'il arrive là-bas, tu enlèves les conneries. Tu dis que c'est toi qui reste, moi, il rentre. Il y a tout moyen pour que l'enfant qu'aime. Et ne lui dis jamais que je vais t'envoyer en Afrique. Ne fais jamais allusion à ça. Ne mets jamais ça dans sa tête, même pas un jour. Je faisais l'erreur là. Mais après, on m'a dit, ne rêve, ne parle même pas de ça. Il ne faut même pas qu'il imagine un jour. Je ne parle plus. Parce qu'il ne peut même pas aller au bisou. Il va fréquenter où? Donc, c'est la fin de mon direct. C'était pour dire au mater que n'ayez pas honte. Il y a trop de femmes qui ont honte. Oh, mon enfant en Afrique, on se moque de moi. Non. C'est toi, au contraire, nous on t'envie. Mais c'est à toi de mettre le paquet. Ne paye pas l'école de 35 000 à l'enfant. L'école de 50 000. Où il y a 26 élèves, 30 élèves par classe. Où il y a 40 élèves par classe, non. Non, non, t'as envie. Mets le paquet pour ton enfant, c'est ce que je veux dire. Mets le paquet pour l'éducation de ton enfant, toi qui es en bing. Et cherche un endroit propice, les gens à qui tu fais confiance. Et la confiance n'exclut pas la méfiance. Il y a toujours les moyens pour poser des questions. Ouais, tu n'es pas obligé de laisser ton enfant dans la famille. Ne vous accrochez pas à la famille. Il y a des gens qui s'accrochent. Je ne m'accroche pas à la famille. Vous accrochez trop à la famille. Il y a des gens plus bien que la famille. Hein. La famille, ce n'est que le sang. Hein. Hmm? Jésus, quand il est né, il n'a pas choisi ses frères pour l'accompagner. Il a pris des gens au hasard. Il a dit, Pierre, je ferai de toi mon église. Il a pris Paul. Il a choisi les gens au hasard. Tout est dans la Bible. Il n'a pas dit, je prends mon frère, même père, même mère. Même sa mère l'a mis de côté. Sa mère l'a cherché, mais que tu me cherches pourquoi? Donc, ce n'est que le lien de sang. Et tu vois que la famille ne peut pas te dire à tel endroit, vis de l'autre côté. Vis, fais comme Jésus. Tu ne prends pas tes frères, même pas ta mère. Tu prends les gens de confiance. Mais comme maintenant, il n'y a plus de confiance, il faut être sûr. En prenant les gens de confiance, là, sois sûr. Tu as tes frères qui sont bien, que tu sais que non, il peut bien élever mon enfant. Il est sévère, il est exigeant. L'exigence d'abord, l'exigence. Tu laisses ton enfant là-bas. Mais tu vois que ton frère n'est pas exigeant. Aime-le en tant que frère, mais envoie ton enfant ailleurs. Et tu t'en fous du quand dira-t-on. Demain, ils seront contents quand ça va donner. Voilà. Donc, c'était mon petit direct. Hein. C'était qui... Je n'ai jamais vu Raïssa assis à mon direct. C'est la première fois. Bienvenue Raïssa. Hier, je n'ai pas reçu la notification. Il dit que mes pas sont signalés. Personne ne reçoit la notification, Yael. On a signalé mes pas jusqu'à pendant 10 jours. Je suis bien au rouge. Je suis au rouge pendant jusqu'à 10 jours. C'est pour ça que je demande au Lomaya de signaler aussi d'autres pages. Donc, tu es venu à la fin, Yael, hein? Tu viens à la fin. Donc, l'éducation de l'enfant en noir. Vous avez vu votre nouvelle loi
Comment on appelle la loi là, Yael? La nouvelle loi, on parle de la sexualité aux enfants en France. Vous voyez? Vous voyez? La sexualité. Ils ont mis tout en œuvre pour détruire les enfants. Bon, s'il y a moyen de bac au pays, faut bac. Faut rentrer. Ils ont mis tout en œuvre, la nouvelle loi là, pour détruire les enfants. J'ai oublié. J'ai dans mon calepin, j'ai noté, mais j'ai oublié. Tout en œuvre. Les enfants de 9 ans m'ont dit maintenant que maman, je vais. Tu vas faire comment? Tu vas parler fort. Tu vas parler comment? Il n'y a plus le bonbon, c'est précis. Donc, c'est la fin de mon direct. C'est pour vous dire que quand moi je vois une femme en Europe, l'enfant est venu en Europe à 3 ans. Après, elle me dit que mon enfant est caissier. Ça me fait toujours un genre. Je ne cite pas le métier, mais il y a tout, il y a tout. Il y avait tout pour qu'il soit mieux que ça. Quand je m'assois, tu me dis que mon enfant est coiffeuse. L'enfant est venu ici, et puis il est né ici en Bing. Ou bien il est arrivé à 3 ans. Tu me dis que mon enfant est... Ça me fait un genre. Travaille au McDo. Ça me fait toujours un genre. Je te dis qu'on propose même au collège les vaccins contre les MSD pour dire que Pine dans 5e. Tu as vu ça? Coucou Patricia Mel. Bonjour Sistou. Bonsoir. Tu as vu? On propose aux enfants. Donc on te donne, on montre à l'enfant que tu peux binda quand tu veux. On ne lui dit pas ça ouvertement, mais ce qu'on fait, lui, c'est une manière de lui dire que tu peux binda quand tu veux. Donc, faisons attention. Mes pages sont restreintes, Patricia. Personne ne reçoit les notifications. Toutes mes pages sont restreintes pour 2 semaines. Toutes mes pages. Donc, l'Europe, si, méfions-nous. Si tu es un homme qui ne t'aide pas dans l'éducation de ton enfant, parle. Mais ce n'est pas honte de vivre seul. N'aie pas peur de vivre seul. N'aie pas peur qu'on va dire que tu vis. Moi, je vis seul. Je m'assume. Non, Yael, moi, ça me fait toujours un genre. Non, Yael. Yael, ça me fait... Il y a les enfants qui abandonnent. Que non, je ne vais plus continuer l'école. Je vais aller faire la formation de coiffeuse et tout. Chacun sa vision. Pour moi, ça me fait toujours un pincement au cœur. Tu comprends? Ça me fait toujours un pincement au cœur. Si tu es coiffeuse après ton bac, pourquoi pas? Mais si tu n'as pas eu le bac et que tu as essayé d'être coiffeuse, j'ai toujours un pincement de cœur. J'ai toujours un pincement de cœur. Si tu décides d'être coiffeuse après ton bac, tu deviens une grande coiffeuse. Pas les coiffeuses que tu peux m'ouvrir un petit truc là, que tu dis que tu es coiffeuse, machin. Ça, j'ai toujours un pincement de cœur. Parce qu'il y a tout pour réussir. On n'a juste pas le temps. On n'a pas le temps. Pour ton pays, il y a le temps. Plus le bonbon, c'est fini. Va pas là-bas. Il n'y a plus. Bon, maman, moi j'ai dit que jusqu'à quand elle veut crier, je dis attends, moi-même je t'aide à appeler la police. Tu as vu ça? Le sicia de police. Le sicia de police. Non, moi, hein, s'il y avait moyen de renvoyer l'enfant en Afrique, tu te vous mens pas. Si vous avez moyen de renvoyer l'enfant en Afrique, ça ne tue pas. Il y a les écoles comme ça. Il y a une école à Bonamoussa a dit. L'école russe. Maman, l'école russe là. L'école est comme ça. J'ai une copine qui a son fils là-bas. Le niveau. Va prendre le bonbon là-bas. Si tu fais pipi. Pipi, guéchine. Cours. Va alors, maman, va. Cours, cours, maman, cours. Le niveau là-bas, c'est la magie. Maman, il y a les écoles à Douala. À Yaoundé, il y a les écoles. Donc, si tu dis que tu es coiffeuse, tu n'as pas voulu faire ton bac, j'ai tout un pincement de cœur. Prions Dieu qui nous aide pour l'éducation de nos enfants. Donc, c'est la fin de mon direct. On va recevoir dimanche Laure Kameni, la fille de Papa Mi. La fille de Papa Mi. Elle a accepté l'invitation de passer à Tata Lolo TV.
et dans 2 semaines, ça sera quelqu'un d'autre. C'est ça, Tata Lotévi. Donc, petit à petit, Lolo fera son bout de chemin et elle trouvera les repères. Ouh, j'ai bien attaché mon foulard. Petit à petit, elle trouvera ses repères. Donc, papa Mi va, maman Mi, la fille papa Mi va parler. Elle va vous parler de tout. Vous allez poser les questions que vous voulez. C'est une gars qui n'a pas peur du clash. Oui. Oui, oui. Elle n'a pas peur du clash. C'est une autre. Elle a grandi à Bepanda. Elle vous dit ça tous les jours. Donc, dimanche, elle sera dans nos locaux. Tata Lolo TV. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais arrêter de dire. Moi, la seule chose que je fais, regardez mon ancien, parce qu'elle fait le sport et tu te fous de moi. Maman, c'est tout toi là, Yael. C'est ça qui nous freine. Ça nous freine, Yael. Merci Tatiana Fao, merci aussi. Donc, c'est la fin de mon direct. C'est la fin de mon direct. Le prochain direct, on va parler de la DAS. Je vais inviter Julien Zombie, qui travaille depuis plusieurs années à la DAS. Et tous les jours, elle reçoit des enfants à la DAS. Les enfants de 2 ans, les enfants de 6 mois, les enfants de 5 ans. Hier, elle a reçu les jumeaux, je crois, de 5 ans. Elle va vous expliquer comment faire pour éviter de vous retrouver face à cette situation. Vous avez vu un papa qui a été, on lui a retiré 5 enfants et une a été violée chez un célibataire. Donc, Julien Zombie travaille à la DAS. Elle va vous expliquer comment faire pour éviter le piège de la DAS. Parce que la DAS, c'est un piège. Il y a les enfants de 6 mois là-bas. Il y a les enfants de 6 mois à la DAS. Donc, le prochain direct, ce sera Julien Zombie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci d'avoir suivi. Malgré les restrictions, on va faire avec. Merci, Raïssa. Tu es où en Allemagne, Raïssa? Tu vis où? Tu me dis ça inbox. Merci Chancy, merci. Bonne soirée à tous. Je vais arrêter le direct parce que je dois manger. Merci. Très beau sujet, la peur de tous les bengues, c'est là. La DAS. Oui, elle, on va parler de la DAS. On parlera de la DAS. Super belle initiative pour les sujets si sensibles, surtout pour nous les Africains. Bah oui, on va s'entraider. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'après mon direct, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me donnent des idées, beaucoup. Donc voilà, ça me fait plaisir. Après le direct, les gens me contactent toujours. Donc, merci à tous. Je vais vous montrer la coiffure de Loulou. Viens ici, c'est quoi? Tout ça parce qu'elle veut qu'on la voie. Et la coiffure de Loulou. Je me débrouille, hein. Avant, je ne pouvais même pas tenir un truc, mais genre, je me débrouille. Ouais. La coiffure de Loulou. Montre. La coiffure de Loulou. Partout, elle passe, on regarde. Mais interdiction de tout, on ne touche pas. J'interdis qu'on touche. Voilà. Tu as fait pipi. Bon, merci à tous. Ma Loulou d'amour, je te dis qu'il y a elle. Elle voulait tout puis qu'on la voit. Bon, merci à tous. Bonne soirée et bonne nuit. Ciao.